pensée culturelle ce soir pour remercier Dieu, et c'est important pour notre paroisse. Et vous savez, selon notre invitation que vous avez reçue, c'est qu'il y a un nouveau patient qui est arrivé dans la paroisse il y a un an à cause de la pandémie que nous connaissons tous. La paroisse n'a pas pu organiser son accueil et son installation. Donc le conseil a décidé que cela ait lieu ce week-end. Donc c'est en prélude de cette célébration qui aura lieu demain que ce concert est organisé et qui va être animé par la chorale Harmonie qui nous est arrivée de Paris. Harmonie, c'est une chorale, l'une des chorales togolaises à Paris. Et ils font partie d'une association qu'on appelle Mission de solidarité entraide protestante, solidarité entraide protestante. Ce n'est pas entraide que nous connaissons, mais puisque les Togolais sont dans la dynamique de ne pas créer une paroisse ici en France, ils sont organisés en association pour faire le culte une fois par mois dans notre langue maternelle. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'ils sont là. Le président de cette association est avec nous, vous le connaissez déjà, il est venu plus de deux fois chez nous, c'est Victor Gra, qui est l'aumônier national des hôpitaux. Et il n'est pas là, je l'ai aperçu. Ah voilà, voilà, il s'est caché. Voilà, ils ont voulu qu'il soit le président pour le moment. Mais je sais que les choses sont évoluées. C'est comme cela que nous aussi, Togolais, à Paris et en France, nous essayons de témoigner notre foi. Donc, nous allons laisser la place à la chorale et j'invite le président de cette chorale à venir prendre la parole. Merci donc à vous pour ce temps précieux que nous allons passer ensemble. Et je remercie déjà la partie technique. Il y a Farah et Fia qui sont à l'œuvre, qui font la retransmission en direct, donc ce qui veut dire que c'est en direct, hein, ce qui se passe, c'est assez en direct. Et puis sur le site aussi de l'association, voilà, tout est en direct, ce qui veut dire que depuis le Togo en dessus, partout dans le monde en dessus. Voilà. Il s'appelle qui? Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous faire une petite historique de la chorale Harmonie que voici. Fondée le 22 mai sur l'initiative d'un petit groupe dirigé par M. Favori Agouté, la chorale Harmonie est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Son objectif est le chant choral. Chanter les louanges de Dieu et promouvoir la musique religieuse. Œuvrer dans la paix sociale en apportant réconfort et joie de vivre aux membres de vos publics, mais aussi en insistant sur les principes de l'amour, de tolérance et de solidarité, et de complémentarité, de fraternité et de liberté. Développer les échanges culturels entre les peuples et les nations. Promouvoir l'harmonie avec soi-même, avec ses semblables, avec Dieu et avec la nature. Favoriser les activités à caractère social, culturel, spirituel, ainsi que toute autre activité digne d'intérêt en les organisant ou à y participant. Consolider les liens et d'entraide orale ou matérielle entre les membres tout en partageant les plaisirs du chant dans une ambiance conviviale.
En tant que groupe de chrétiens, la chorale Harmonie se réunit pour louer Dieu, porter les valeurs du christianisme, notamment l'amour, la paix, la fraternité, la bienveillance et la solidarité en Christ. Les membres forment une famille. La culture du groupe est aussi celle de l'excellence dans les prestations, de l'auto-respect et du respect mutuel. La majorité de la chorale ont pour origine le Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Donc, comme annoncé, la place à la chorale. N'est-ce pas? Vous sommes là pour ça? Vous êtes là pour ça? Voilà. La place est... Oh, yeah.
Pleuve jaillit des cieux.
se comprend très bien. Les choses qu'ils ne font pas se laisser tomber. Je regrette que plusieurs personnes, peut-être, qui ne savent pas ce moment précieux, ne peuvent pas apprécier à la hauteur de ce qui se passe ce soir. Vous étiez chez nous à Écoute. Vous vous rappelez? Oui. Ah ben ça a été un boom. Vous êtes ici ce soir et demain, il faudra encore tout ensemble. J'imagine ce que le culte de demain sera. Voilà. Ça va bouger. Ça va bouger. Ce que j'aimerais simplement vous dire à nous tous, il y a des occasions à ne pas rater. L'histoire de cette chorale est liée aussi à mon histoire. Par rapport à mon parcours, je le connais presque tous ceux qui vont voir qu'on arrive ici. Donc, moi le jour je suis là, je reçois une lettre, est-ce que tu peux être membre d'honneur de notre chorale? Comme d'habitude, j'ai mon consultant. J'ai vu à mon consultant, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Et mon consultant me dit, je le connais. Tu peux accepter. Et le consultant se reconnaît dans ce que je dis. Je veux le dire. C'est pour nous dire que, ici en France, que nous voulons aussi, c'est notre terre. Nous devons apporter toute notre énergie, notre savoir-faire à la vie culturelle et culturelle. C'est pourquoi je me réjouis que vous êtes tous membres dans une paroisse dans la région parisienne. Ceux que vous voyez là jouer sont organisés dans une paroisse dans la région parisienne. Pour ça, c'est une joie, pour moi particulièrement. J'aimerais peut-être, je ne sais pas s'il y a des collègues ici à Lyon qui sont venus ce soir, c'est pour nous dire que je suis arrivé il y a un an. Ce qui se passe, ce serait ce que nous aussi nous pouvons faire quelque chose ici à Lyon. C'est possible, non? C'est possible. C'est possible. On peut aussi le faire. On peut, et je sais que nous pouvons le faire. Voilà. Demain je dirai la même chose. Je sais que demain, il y a d'autres troubles qui viendront nous retrouver pour le culte. Je leur dirai ceci. Nous sommes ici à Lyon, c'est pour apporter notre énergie à cette ville et à nos paroisses de l'Église protestante unie de France. Voilà, ça c'est un appel que je lance à nous tous. À cet événement de mon appel et de mon installation, en préparant une idée, mais je me suis dit, mais dis donc, Samuel, ça fait 32 ans que toi et Victor, et il nous a dit, quand il est là, c'est mon consultant, que vous êtes dans le couloir de l'Église. 32 ans. Et nous sommes dans le couloir de l'Église, c'est-à-dire que nous travaillons dans l'Église. Et 25 ans de ministère pastoral à plein temps. Sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Juste sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Victor, tu peux te lever. Si ça suffit, c'est notre courage. Il a fait une mission au Togo récemment avec une délégation de la Fédération protestante de France, avec le président. Il leur a montré notre banc à l'école publique d'Atabamé. Tu m'as compté cela. J'ai amené le banc et j'ai dit au président, c'est ici Samuel, on s'assied pour étudier. Tu verras décrire notre histoire. Ce soir, nous découvrons encore une nouvelle page de notre histoire et je pense que l'énergie que Dieu nous donne, nous allons la mettre au service de son. N'est-ce pas, Victor? Oui, j'ai dit ça. Et ça fait 32 ans que nous nous sommes connus dans des conditions que Dieu seul connaît. Et depuis, nous faisons chemin ensemble. Pour ce moment qui nous réunit. Je viens de la région parisienne. Je suis en lien avec
avec cette chorale, il y a bien des choses qui nous lient. Nous sommes tous ensemble engagés dans un ministère en champ parisien, dans une mission, dans le cadre de votre association en raccourci MISEP, Mission Solidarité Culture et Entraide Protestante, qui est née il y a quelques années de notre cheminement d'abord comme lié à cette chorale Harmonie qui à son début célébrait le culte du 31 décembre, du réveillon du 31 décembre à Jean Parisien. Cette démarche qui s'est agrandie nous permettra après de faire un culte à l'idée en français une fois par mois avec mon arrivée et le pasteur Isabelle qui est à la retraite qui est rentré au Togo et qui est devenue une association culturelle avec une dimension culturelle et une dimension de solidarité. Nous ne sommes pas une église. Moi, j'ai dit à mes compatriotes, le jour où vous voudriez installer une église fille de notre église du Togo, ici en France, vous ne me verrez plus. C'est notre devise. C'est notre devise parce que nous sommes envoyés auprès de l'église réformée de France au départ, puis de l'église protestante unie de France maintenant. Et nous sommes devenus ministres de cette église-là. Nous n'avons pas vocation à créer une église du Togo ici. Mais notre association sert d'espace pour orienter nos compatriotes vers une paroisse qui est proche de chez eux, une paroisse de l'église protestante unie, a priori. Et puis, après, on peut se retrouver de temps en temps pour vivre le culte comme chez nous, comme ça se fait. Ça se vit dans notre culture. Donc nous sommes un espace qui est fédéré à l'Église protestante unie, je peux le dire ici, et qui permet à nos compatriotes de trouver leur place. Nous n'avons pas vocation à créer une église du Togo ici. Mais c'est, comme l'a dit Samuel, apporter notre énergie. L'église du Christ étant multiculturelle, apporter notre énergie et notre culture aussi, là où nous sommes accueillis, là où nous vivons, pour que cette église qui est arc-en-ciel puisse vivre sa dimension arc-en-ciel. Nous te rendons grâce au Seigneur d'être présent, de partager ce moment avec toi, Seigneur, et ta communauté aujourd'hui. Merci. Nous allons encore donner quelques moments à la chorale, mais bientôt il faut aussi qu'on termine parce que demain la journée sera longue, très très longue. Et puis ceux qui sont venus de là doivent repartir. Ceux qui sont venus de là doivent repartir demain après la fête, après le repas et après la nuit. Donc il y a des événements qui vont. Donc ce que je vous propose ce soir, pour ceux qui souhaiteraient soutenir les actions de cette association, de la chorale, on peut faire passer un panier si vous voulez, c'est un don de grâce. Voilà. Nous le faisons, chaque fois qu'ils nous rendent visite, nous le faisons. Vous avez laissé votre empreinte à l'époque. Et ils entendent le droit de Samuel, tu nous quittes qui va nous faire venir encore une chorale qui sera vraiment agréable. Aujourd'hui, nous sommes là, ce moment agréable, nous vivons en nombre réduit, et je sais que vous deux qui êtes intensément, vous qui êtes là, c'est un moment agréable. Voilà. Donc nous ferons passer juste un panier sur le champ de la chorale, et nous pensons dessus à notre troisième personne, qui est Inoussa, qui est au Canada. Voilà. Les trois moustiquaires, comment ça s'appelle?
Voilà, merci. Donc, on peut faire passer une corbeille pour ceux qui souhaiteraient donner quelque chose pour soutenir l'action de cette association, cette programme. Merci.